فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي خلقنا ورزقنا وهدانا وعلمنا وأنقذنا وفرج عنا. الحمد لله بالقرآن، الحمد لله بالإسلام، الحمد لله بالأهل والمال والمعافاة، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. Chers frères et sœurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Le mois de Ramadan de cette année arrive à sa fin. Il fut un mois exceptionnel à cause de la pandémie qui a touché le monde, qui nous a sommé de nous confiner chez nous et nous a empêché de veiller une partie de la nuit dans les mosquées pour prier les prières de At-Tarawih. Certes, nous nous sommes éloignés de la ferveur et de la chaleur que procurent les prières collectives dans les mosquées. Néanmoins, nous avons mené à bien nos prières en compagnie des membres de notre famille et savourer le goût d'une dévotion plus intime. Les mosquées, quant à elles, se sont adaptées pendant cette période de confinement pour continuer à jouer une partie de leur rôle d'information, leur rôle d'enseignement et de soutien des démunis, tout en respectant les consignes de sécurité sanitaire. Ceci n'aurait pas pu réussir sans l'implication de tous les fidèles qui ont fait preuve de responsabilité, de générosité et de discipline remarquable. Nous implorons Allah, exalté soit-il, d'agréer de tout le monde le jeûne, les prières, les invocations et les aumônes. Chers frères et sœurs, nous sommes dans la dernière ligne droite de ce mois béni. Eid al-Fitr se profile à l'horizon. Il s'agit d'une fête qui consacre l'effort adoratif des croyants pendant ce mois béni. Elle est l'occasion de manifester notre joie, la joie d'avoir accompli un devoir religieux et la joie d'avoir transcendé la condition terrestre matérielle de notre humanité afin de recouvrir avec une dimension angélique et céleste. Afin de diffuser cette joie entre tous les membres de la communauté, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a enjoint les musulmans de donner une aumône purificatrice à cette occasion. Il s'agit de zakat al-fitr, l'aumône de la rupture de jeûne. Cette aumône remplit deux objectifs principaux. Un objectif spirituel pour celui qui la donne, puisqu'elle sera, par la grâce d'Allah Azza wa Jal, une purification des petits péchés et des abus que le jeûneur a dû commettre pendant Ramadan, tels que les paroles futiles et indécentes. Le deuxième objectif est plutôt social, puisque cette zakat est censé procurer à son bénéficiaire, en l'occurrence le pauvre, une suffisance matérielle et financière qui le dispensera de quémander pendant la journée de l'Eid et qui lui permettra de partager la joie de la fête avec tout le monde. En quoi consiste cette zakat? Il s'agit d'une aumône obligatoire pour toute personne qui a de quoi manger pour un jour et une nuit et qui possède un surplus de nourriture. Elle doit être donnée au nom de toute personne à charge. Par exemple, un père de famille devra sortir cette zakat pour lui, pour son épouse et pour ses enfants à charge, même s'il s'agit d'un enfant qui vient de naître la veille de l'Eid. Il convient que les enfants majeurs qui ont une indépendance financière la sortent pour eux-mêmes. Que doit-on donner et à combien s'élève zakat al-fitr? Zakat al-fitr peut être acquitté de deux manières, soit sous forme de denrées alimentaires, comme le blé, le riz, les dattes, le fromage séché, les raisins secs, etc. En fait, il s'agit des aliments les plus consommés dans le pays où on vit. On donne alors un sa' de cet aliment. Le sa', c'est une unité de mesure de volume utilisée autrefois à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam et qui correspond à 4 mouds, sachant qu'un moud représente le volume que peut contenir les deux mains jointes du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Les savants ont évalué le sa' par rapport au poids des aliments et de conclure que zakat al-fitr pour chaque personne correspond à une moyenne de 2 à 2,7 kg selon l'aliment choisi. La deuxième manière d'acquitter zakat al-fitr, c'est de la donner sous forme pécuniaire, c'est-à-dire sous forme de monnaie, soit l'équivalent du prix
de la quantité de l'aliment qu'on pourrait sortir. Ceci a été évalué en Europe à 5 euros par personne. D'aucuns parlent de 7 euros, comme c'est le cas en France. Autant l'acquittement de Zakat al-Fitr en denrées alimentaires était le plus répandu, autant la donnée sous forme de monnaie est un avis qui est adopté de plus en plus, puisqu'il permet de satisfaire mieux les besoins des pauvres, besoins qui ne se limitent pas uniquement aux denrées alimentaires. D'ailleurs, sortir la Zakat sous forme de monnaie est un avis qui est très ancien, il n'est pas récent. Il a été rapporté sur des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, sur des tabi'in, sur des pieux prédécesseurs, et sur des grands érudits parmi les savants. Dans le Musannaf de Abu Shayba, il est rapporté que Abu Ishaq Abdullah al-Sabi'i, qui fait partie des successeurs, disait à propos de certains compagnons qu'il a rencontrés, qu'il a côtoyés, « Je les ai vus donner l'aumône de Ramadan sous forme de monnaie en équivalent à la nourriture. » Cet avis a été adopté par Omar ibn Abdel Aziz, le cinquième calife de l'islam, par Al-Hassan al-Basri, le grand tabiri, par Abu Hanifa, le fondateur de l'école Hanafite, et tous les savants de l'école Hanafite d'ailleurs, par l'imam Soufiane al-Thawri, par l'imam al-Awza'i, par l'imam al-Layth ibn Sa'd, et par les deux imams malikites, Ashhab et ibn al-Qasim, qui sont des sommités dans le madhab al-Maliki. C'est également l'avis de l'imam al-Bukhari, rahimahullah. Sans parler de plusieurs conseils théologiques contemporains qui ont opté également pour cet avis. C'est dire qu'il n'y a pas lieu de prétendre l'invalidité de celui qui la donne sous forme de monnaie. Donc il n'y a pas besoin de tendre l'oreille à ceux qui polémiquent à ce sujet et qui essaient de semer le doute chez les musulmans à ce propos. Quand faut-il verser Zakat al-Fitr? Il faut la sortir avant l'heure de la prière de l'Aïd. Sinon, elle sera considérée comme une simple aumône et ne jouerait pas le rôle purificateur qui lui a été assigné. À ce propos, plusieurs savants ont autorisé son acquittement quelques jours avant la fin de Ramadan. Ceci est d'autant plus nécessaire lorsqu'on la confie à une mosquée ou à une association humanitaire ou caritative. Il convient de lui donner le temps de la distribuer aux pauvres avant le matin de l'Aïd. Bien entendu, celui qui connaît des pauvres pourra la leur verser directement. Que dire maintenant de Eid al-Fitr cette année? Habituellement, Eid al-Fitr est une occasion qui se célèbre collectivement à travers la prière matinale et les visites des proches. Néanmoins, le virus Covid-19 continue de circuler parmi nous. Il continue de contaminer, de tuer et de conduire un certain nombre de personnes dans la réanimation. Voilà pourquoi cette année, la prière collective de l'Eid, Eid al-Fitr, ne sera pas célébrée dans les mosquées ni dans les lieux de rassemblement. Nous pouvons néanmoins l'accomplir à domicile, individuellement ou en famille, sans pour autant assurer le prêche habituel, la khutba habituelle de l'Eid. Il suffit alors d'accomplir les évocations, l'adhkar, du jour de l'Eid en famille, les fameuses formules de takbir et tahlil qu'on a l'habitude de prononcer le jour de l'Eid en groupe et à haute voix. Ensuite, on accomplit deux rak'at à haute voix de la prière de l'Aïd, comme on a dit, individuellement ou en famille. Si c'est en famille, c'est le père, bien entendu, de la famille qui dirigera alors la prière. On accomplit alors 7 takbirat pour la première rak'at et 5 takbirat pour la deuxième, sans compter la takbira qu'on prononce lorsqu'on se lève de la première à la deuxième rak'at. Dans la première rak'at, on récite surat al-Fatiha, puis une autre surat, telle que surat al-A'la. Lors de la deuxième raka'a, on récite le Fatiha, puis une deuxième surat, comme surat al-Ghashiya. Et comme on a dit, il n'y a pas besoin d'assurer une khutba. La prière à elle seule suffit. Nous devons par ailleurs limiter au maximum les visites physiques entre nous. Et quand bien même nous soyons dans le besoin de visiter un proche parent ou de le recevoir chez nous, nous devons respecter toujours les gestes barrières, maintenant la distanciation sanitaire, sociale, et continuons de porter un masque pour éviter toute éventuelle infection. Continuons à maintenir sans relâchement l'état de vigilance sanitaire pour nous protéger et protéger les autres. N'oublions pas qu'Allah tabaraka wa ta'ala a dit « وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ »
Et ne vous jetez pas par vos propres mains dans la destruction, et faites le bien, car Allah aime les bienfaisants. Puisse Allah, exalté soit-il, agréer notre jeûne, nos prières, nos aumônes, nos invocations, et nous compter parmi ses meilleurs serviteurs. Et je vous dis à l'avance, عيدكم مبارك سعيد, وتقبل الله منا ومنكم سائر الأعمال, إنه على ذلك قدير وبالإجابة جدير, وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.